Last questions, then we're going to have to stop because unfortunately time is not expandable and Mr. Trichet hasn't been able to have his lunch. So Mr. Thorat from the Indian Bank, Mr. Thorat, Bank of India. La parole est à vous, monsieur. Sir, I have kept you from your lunch. Je vous empêche de déjeuner et accepter toutes mes excuses. Mais comme vous le savez, all of us central bankers en tant que responsable de banque centrale, nous sommes membres d'un club. Et au risque de vous déplaire, puis-je vous poser une question sur le travail que nous faisons actuellement à Bâle, qui essaye de faire une surcorrection des erreurs précédentes. You have rightly said vous avez dit à juste titre qu'il y a trois éléments qu'il est important d'avoir. Le moment de l'intervention, le degré de l'intervention et l'automaticité de l'intervention et de la participation. À Bâle, j'ai eu le sentiment que ce que nous faisons maintenant et d'aller de réaliser une surcorrection. Je ne parle pas des non-banques, mais je pense à d'autres acteurs dans le système bancaire. Et nous essayons d'avoir des réglementations tellement strictes que ceci va à l'encontre du bon sens. Thank you very much for your question. Merci de votre question. Pour vous répondre, je dirais que nous faisons l'objet de critiques, mes collègues et moi-même, de la part de ceux qui disent que nous avons été trop gentils, trop passifs vis-à-vis du secteur bancaire, et également des critiques de la part de personnes qui disent que nous sommes trop durs avec le secteur bancaire et en fait que nous freinons la reprise actuelle, la consolidation à laquelle on assiste actuellement. Donc nous sommes critiqués de tous les côtés. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons est juste, mais mes collègues aux quatre coins de la planète qui ont regardé ce qui se passe et qui examinent notamment ce qui s'est passé dans le secteur financier en toute connaissance de cause et en faisant preuve de bon sens, ont discuté de tout cela. Et la conclusion, c'est que ce que nous avons aujourd'hui comme outil, eh bien, cela correspond aux exigences minimales pour ce qui est d'assurer la solidité du système financier à long terme et pour ce qui est des outils qui sont utilisés dans la période de transition, eh bien, ces outils sont bons, sont adaptés à la période de transition, qui est une période qui perdure et qui ne va pas freiner la reprise, que ce soit dans le monde en développement ou le monde développé. Et c'est donc le consensus qui s'est dégagé suite aux discussions que nous avons eues sur ces questions très importantes avec mes collègues des banques centrales, et je pense que c'est la solution appropriée et la meilleure solution pour les circonstances actuelles. Oui, Federico Fubini, Corriere della Sera. Je suis un journaliste. Corriere della Sera. I am a journalist, and my question relates to governance. I'm here. Sur la gouvernance monétaire. On monetary governance, I didn't quite understand where you can deal with delicate issues of volatility of exchange rates, because the G7, even if it is still meeting, is a thing of the past to a certain degree. The G20 is too broad to be able to have a discrete discussion. Thus, I wonder whether there will be a working group of four or five members that could work this out. And if I may ask another question on unemployment, do you
who think that the printing hundreds of billions of banknotes, as is foreseen by some, could help to reduce unemployment. As you said yourself, comme vous l'avez dit vous-même, forum for global governance is le forum de la gouvernance mondiale, c'est le G20. Vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants. Major floating, free floating currencies. Pour ce qui est des devises, they are the major free floating currencies dont le taux de change fluctue, eh bien, vous savez évidemment que c'est le système qui prévoit actuellement dans les économies avancées. Il y a fluctuation des taux de change. Évidemment, c'est quelque chose qui doit être débattu, discuté pour s'assurer qu'il n'y a pas d'excès. Voilà pour répondre à votre première question. Et je vous rassure, eh bien, nous sommes en train de suivre la situation de très près. Votre deuxième question, justement, j'y viens. La consolidation de la reprise, elle est très importante et elle dépend essentiellement de la confiance. Elle repose sur la confiance. Confiance dans la capacité des pouvoirs publics à pouvoir déployer des politiques budgétaires à moyen et à long terme, qui soit stable, qui soit efficace. Ça, c'est très important pour pouvoir consolider la reprise. Par ailleurs, je vous dirais qu'il est indispensable que nous ayons une consolidation non seulement de l'économie, mais également de la confiance, consolidation de la confiance dans les prix à long terme. Il faut qu'il n'y ait pas de crainte d'un retour de l'inflation. Évidemment, il ne faut pas de déflation non plus. Il faut éviter le risque déflationniste. Il faut éviter également une trop grande inflation. Monsieur le Président, I would like to put a question to you that my three children have asked me and to which I was unable to respond. It's the same question from all three children, not three questions from one child. Very briefly, some 10 days ago, there was an excellent television program that showed in Bercy the department which regularly decides on the determination of debts, and it was very well done. You could see the bank account of the state and the allotment, which that day had run very smoothly, and there was a sigh of relief. If I understood correctly, the amount which is borrowed each day is 100 million euros. So I suppose that this also is the case in other large Western countries. So I watched the program with my three adolescent children, and the question is, what happens? Where are we going to reimburse all this debt? As a father, I went, well, inflation, rigor, although to me rigor as an auditor is rather positive. La pression fiscale, tax pressure, finalement, how on va sortir de tout ça? Et je pense que does one get out of a situation of indebtedness to this scale or magnitude? And there is going to be a day when we will have to give clear answers to our children, because they are going to be left holding the baby. Vos réponses étaient correctes, sauf la première. Well, the answers that you gave your children were correct, except the first answer. Inflation is not a solution, never has been a solution, and certainly won't be a solution today or in future. If you felt that inflation was the way out of such a situation, to extricate yourself from these current difficulties, well then, you would have an impact on inflationary expectations. Tous les taux d'intérêt de marché,
qui ne sont pas faits par les banques centrales, increase, qui sont faits par le marché lui-même, rates, les by the markets themselves, not by the central banks, but by the investors. La demande de financement. Et donc, vous auriez looking for finance, and in fact you would achieve the opposite result. You would see a spectacular increase in the cost of debt, of indebtedness, and the difficulties to refinance yourself. So this is certainly not an answer or a solution. The answer is to abide by the rules and regarding our behavior. En Europe, and in Europe, we signed the Maastricht Treaty, and this treaty indicates very clearly what should be done. Qui sont explicites dans ce traité sont devenus plus ou moins normes mondiales. Well, they have become today global standards, or at least considered as being optimal by a large number of countries of the global community. And these rules indicate that you have to make the necessary efforts to reduce your expenditure in the short to medium term. And if you're unable to do so, you have to take sometimes difficult decisions as regards your income. We prefer to reduce expenditure rather than to increase income because we do believe that this is the best way to optimize budgetary wisdom in the best conditions for growth and the creation of employment. This is not easy, but it is nonetheless necessary. And you're perfectly right, we cannot hand over this responsibility to our children and grandchildren to reimburse the expenditure of today's generation. This goes against a reasonable approach. Of course, we have experienced a crisis, so this has had a dire impact on public finance. We have to take the necessary measures to overcome these difficulties, and this is the approach certainly that has been followed by the European Central Bank.